Laissez-le, le pauvre Inori. Une caméra avec l'air, ça. C'est la curse, quand même. Faites gaffe, je peux tout espoir pour elle. Vraiment, donc, qu'est-ce qu'on a vu? C'est un match-up qui est un peu bénéfique, je crois, pour Diddy Kong. Mais qui n'est pas pour autant facile. On rappelle que Diddy, c'est un personnage qui est assez dur à jouer. Bien sûr, c'est qu'il souffre de son manque de range. Mais qui gagne avec toutes ses phases d'avantage. Et ça a quand même beaucoup de cette grosse phase pour gagner l'interaction de mon game. Il se prend un giga backer qui est déjà une. J'ai pas vu, comme il a pas vu. Sylvain, je vais t'expliquer, moi j'ai pas vu. Je suis en train de faire des conneries avec ma caméra. Non. Oh, raté de l'équipe de Smash, c'est dommage. Ça aurait pas pris le kill, je pense que ce serait un peu trop tôt encore, mais ça aurait vraiment mis bien. Là, on va faire la banane, bien sûr, pour finir. On récupère la banane du côté d'Inori. On aura offstage, je sais pas expliquer, je pars encore, mais bientôt. On voit la cacahuète. Cacahuète qui mange le saut. Kappa mange le saut. Ok, c'est terminé, mais. Ça tue. Une grosse avancée du côté d'Inori. Il faut vraiment être très présent du côté de Pum. Mais aussi très efficace. C'est un problème quand on a des avantages. Pas du tout overextend pour pas se faire reverse, mais il faut absolument pas jouer trop safe parce que sinon on se fait gratter. On a bien joué là-dessus. Sinon ça devient compliqué. Donc très puissant. Allez, c'est bien un petit peu trop cherché. On rate le fait. Personne ne veut faire un backer. On pensait derrière lui peut-être. On pensait cross up. Mais non. Il y a qui trouve très bien CF. Très très bon. Je serais pas mal à lui. Très dangereux. Comme qui reprend l'avantage. Qui cherche un petit peu trop vite. Et qui va se faire spawn. Oh là là. Hey, Inori. Inori. En MP, je vais t'envoyer le timecode et tu me feras un clip par pitié. Hein. Tu me l'envoies à Hit Smash, je sais pas quoi. Genre best reversal ever ou je sais pas quoi. Hein. Oh. C'était un Didi, c'était pas un Didi. Ça passe sur Didi. T'as pris une de ses branlées, ouais, frère. Alors, aussi, je crois que j'ai pas le matchup bizarrement dans ma tête. T'as dit quoi? Dans ma tête, j'ai pas le matchup là. Alors que tu as normalement le matchup. Ouais. C'est ce que je veux, c'est. Bon, on l'exécute pour tout en switch. On prend Didi, excellent matchup pour Didi. Et puis final, c'est le meilleur matchup. Il va être très très safe. Inori qui est dans son goût. Vraiment. À voir s'il va réussir ou non. Oh, il ne t'espère pas. On peut le faire après la bonne spro. On a un avantage, on envoie des gordos, hein, vraiment. Ah, je suis à sa présence. Il m'a cap envoyé le stretch. Non. Inori qui peut pas se prendre. Le. Il peut pas faire se prendre le gordo. Que se prendre des gordos, ce qui est logique. Voilà, il n'a rien extra par un rappel. Le bord de coucou qui permet à peine de revenir. C'est extrêmement agréable. Du coup, sa présence avec le gordeau qu'on récupère avec le malin un petit peu trop tôt, mais c'est pas grave. On a eu du mal à atterrir, mais je pense que ça lui a sauvé la vie. J'ai l'impression, voilà. Les extra bien, ils sont vraiment très peur. Et là. Je vais mettre un bon smash. Et le smash de Chine, de Pub, il les aime. Hein. Il les aime aussi. C'est le smash. On va dire qu'il tue pas encore. Hein. T'es pas mis ma chambre, c'est que ça. J'ai envie, j'ai une idée, ça va être du match fini. Parce qu'on se prend des gros backers. Dommage. Petite petite paire, on finit la tech. On se repère. On gratte tout. Je suis très très calé du côté numéro. Il va vraiment nous. Il ne veut pas absolument pas faire ça. Merde. On tape dans l'inhale. On me rappelle que Primary c'est une game de 7 ans. On se fait BO3, elle va se rendre en ligne. Et la moindre game compte, vu qu'il n'aurait rien déjà vu. C'est mal parti pour Pomme, même s'il y a Didi, on se rappelle, ça survit. Et puis sinon, on me rappelle, ça tue pas.
Bon. On met de la pression, on gratte. On va avoir un bordeaux et. Voilà. Six proches ici vont important, deux seuls de Zinoche. On met des petits tours. De la range de un peu de faire. Pour punir les approches un petit peu trop incessantes. Et la Lucina. Là le principe ça va être de tenir avec Pum, de vraiment gratter des pourcents et n'hésitez pas à. On ne peut pas en prendre pour. On ne peut pas faire de structure. Il doit se refaire. Il se prend bien. On fait des petits boutiques. Le tarp catch. On est à 62%. C'est vraiment très bon pour savoir du côté du pomme. Et là, on aurait dû être la stock. Bien sûr, ça aurait presque pu être la stock. Si il n'avait pas des smash très lents. Ça aurait été la stock T2. Oh, la dash attack qui touche. Et oui, ça a pas d'insanity box de fou. Tu vois, Puff elle est invincible, bah lui il tape partout. Et je donne la colonne de gauche, elle m'énerve cette colonne. Tu donnes la colonne. La colonne de gauche. C'est quoi, c'est PF, Yoshi et. C'est les deux qui plaquent et temps. Ah oui, d'accord, oui. Ah bah oui. Mais est-ce qu'il garde Lucina? Tu gagnes Lucina? Quoi? Tu gagnes Lucina? Ouais, il garde Lucina. Oh, le gros singe, j'en ai fait ça. Là, j'ai essayé, Oh là là, il y a des menaces de mort. Là, c'est chaud. Il... Le site pump, c'est chaud. Oh, je vais faire un. Mais il veut pas me. Tu sais que c'est vrai, je peux te ban pour ce genre de blague, j'accepte. J'ai le droit des bans. Jusqu'à ce moment-là. Oh, oh là, j'ai une jolie wave bounce. Là, c'est vrai, j'ai pas vu. Qui met beaucoup de bien dans ma chaîne. Vraiment, c'est le meilleur outil de Billy River, c'est mon wave bounce pour permettre du coup d'avoir beaucoup de mobilité avec son ultra B qui est vraiment colossal. Pour savoir un bon avantage, la F-Stop qui est envoyée à F-Stop, je vais me prendre un verre d'eau pour couvrir. Et le Don Smash. Rebonjour. J'ai pas oublié. Alors Inori Pum, et il y a 1-1. Il y a 1-1, ouais, première game en plus puissant Lucina. Ok, et qui était prise par Inori. Qui était prise par Inori, en effet. C'était un sacré pour nous, hein, vraiment. Il y a un spike de Lucina. Ok, voilà. Sur 10 coups, c'est toujours pas mal. Oui, bah après, c'est comme que Captain Pelican qui est venu backstage pour faire un spike, mais il avait le 5-3. En vrai, il avait droit. Ah non, il est. Oh, c'est extrêmement bien la passe. Game 3, game 2, 7. Très jeune. Petite game 3 là. Je trouve que Nori aujourd'hui. T'as vu le NR1 là. Il a un avantage stake de bâtard. Et là, il a la stock d'avantage sur Pum. Il avait tout à l'heure. Il s'est fait remonter. Okay. Oui, bah Pum reste Pum. Hein. Voilà. Pum reste dans une situation où on sait très bien ce qu'il arrive. Il n'arrive pas, ça c'est dommage, parce que là il a fait vraiment dommage. C'est vraiment l'erreur de base. Et là faut gratter. Oh ok. C'est pas clair. Et on continue les air dodge, plus panique de Pum là qui se continue. On a pris 50% là-dessus. Je pense qu'Inori a compris une habitude de Pum qui s'appelle les up smash auto shield. Il s'en est pas pris de la game. Alors que celle d'avant, la game d'avant il s'en est pris deux. C'est bien qu'il ait compris ça, et là il gratte tellement. Ok, oh là là. On se refait avoir par le fait que Daidu il peut faire 3 backers de suite avec tous ses sauts. Et la stock pas. Un Gordo qui vient de sa touche. Très bon son de Gordo. La stock de la du set. La stock du set. Et très bon mix set de Pum au passage. Parce que en général, les Gordos ils sont utilisés pour un peu lent pour. Les gens de vers le haut, c'est vrai de vers le haut. Et là, il l'a anglais vraiment en mode tu vas te le prendre off-top. Il a un petit peu trop de trade, on s'est mis Didi, mais c'est comme très risqué de prendre les vrais. Je peux comprendre que tu veux rentrer après quand t'as besoin de gratter oh comme non. Ça. Oh le marteau que, voilà, t'as, toi, t'as, tu veux juste le marteau stage. Tu t'en fous un peu, tu veux juste le stage la Lucina. C'est pour le. Oh non! Oh, ça peut reverse! Yes! Oh, le pauvre Dino! Le pauvre putain, Inori! Oh là là! Oh là là!